Bonsoir à tous, voici le bulletin de ce samedi 12 novembre en fin de journée. Les conditions anticycloniques vont persister jusqu'en début de semaine prochaine avec une grande douceur dans les régions du sud et de l'ouest du pays. On a relevé par exemple cet après-midi 23 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Biarritz, jusqu'à 26 degrés à Sogroix, près de la frontière espagnole. Pour la semaine prochaine, il faudra s'attendre à une dégradation progressive par le sud-ouest mardi. Alors pour dimanche matin, peu d'évolution avec toujours de nombreux brouillards et nuages bas dans l'est et le centre-est. Ailleurs, belles éclaircies. À noter des entrées maritimes autour du golfe du Lion. Température minimale, 0 à 4 degrés sur le quart nord-est, avec des gelées locales. 8 à 14 degrés du Cotentin et de la Bretagne au sud-ouest, jusqu'au rivage méditerranéen. Et 5 à 8 degrés ailleurs. Pour l'après-midi, les entrées maritimes vont persister autour du golfe du Lion, avec une averse possible sur le Roussillon. Ailleurs, le soleil dominera largement, malgré un ciel de plus en plus chargé sur la façade atlantique. Il fera doux l'après-midi, avec 8 à 13 degrés sur le nord-est, et près des frontières du nord, 14 à 19 degrés ailleurs, du nord au sud, avec 18 degrés à 20 degrés, et Charente-Maritime au sud-ouest. Le vent de secteur sud-est reste sensible sur le pays, mais plus marqué sur les côtes, avec des rafales à 70 km/h sur la côte basque et le sud de la Bretagne, et jusqu'à 80 km/h sur le Tarn et le littoral de l'Aude. Demain, nous fêterons les Sidoines, le soleil se lève à 7h59 et se couchera à 17h10. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.ak-france.com ou appeler nos répondeurs au 08 92 46 38 36. Passez un excellent week-end.